C'est bien la drogue. C'est bien la drogue. Sérieux? Putain. Aïe! Oh, Charles! Putain de merde! Ah, bien, 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 bien. Putain, j'ai du mal, hein. Non, 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 c'est bon, j'ai compris. Non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Allez, viens rejoindre ton père. C'est pas réel, c'est juste. Non. J'hallucinais. En tout cas, j'espère. Des hallucinations. Mais il y a une fleur dans la vallée qui peut donner des visions, mais elle a peu d'effet. Tu sais ce que c'est cet endroit? Je vois des conduits, des canalisations, de fabrication soviétique, je pense. Ça doit être un avant-poste que les soviétiques ont construit pour étudier les ruines. Ma grand-mère était une chercheuse, ils l'ont emmenée ici pour qu'elle les aide, mais... C'est la dernière fois que grand-père l'a vue. Il n'y a eu qu'un survivant, un officier, qui est sorti de là quelques semaines plus tard. Il a dit que la sorcière les avait obligés à faire des choses. C'est sûrement la grand-mère, en fait, la sorcière. Oh, j'allais dire, je voudrais bien un feu de corps, mais j'ai pas de bois. Toujours pas de bois, donc... Ça va pas vraiment m'aider en fait. Eh ben. Je n'ai jamais tenu ma fille dans mes bras. Ils me l'ont prise sur la table d'opération. J'ai essayé de me battre, mais ils sont nombreux. Je suis fatiguée. Ils m'ont emmenée et ont séparé nos trois cœurs. Ils m'ont emmenée dans un vallon secret où se trouvent d'anciennes ruines. Ils m'ont dit que si je coopérais, je pourrais revoir ma famille. Je ne pourrais jamais faire confiance à ces monstres, mais je n'ai pas d'autre plan. Il y a des fleurs étranges ici. L'exposition au pollen a bouleversé mes ravisseurs. Ils ne veulent pas aller plus loin que notre petit avant-poste. Ils m'ont amenée ici... dans l'espoir que je trouve un antidote grâce à mon expertise en botanique.
Enfin, l'État peut se servir de moi. J'acquiesce et je souris, je joue mon rôle. Mais ils ne me briseront plus. Pour ma fille, pour Ivan, je survivrai. Bien ce que je pensais, c'est elle qui a... C'est elle la sorcière. Il y avait quelqu'un ici, récemment. Il y a des constructions au-dessus des ruines. Qu'est-ce que tu vois ? On dirait une distillerie de fortune. C'est la même odeur que les fleurs. Merde, bien sûr ! Elle distille le pollen, elle en fait une arme. Rien à voir avec la magie, Nadia. C'est simplement de l'ingéniosité. Mais attends, si elle était humaine, le pollen devrait aussi avoir un effet sur elle, non ? Si elle a trouvé un antidote, on peut aussi l'utiliser. On va le foutre en feu, le truc. Ah. On va faire ça. Cela fait des semaines que ces vermines m'ont traîné hors du goulag, loin d'Ivan et de ma fille, dans cet étrange vallon. Ils m'ont chargé de trouver un moyen de neutraliser les effets inhabituels du pollen qui flotte dans l'air. Je pense avoir trouvé une formule qui fonctionne. L'extrait d'une des graines de la plante. Le foie d'un animal qui se nourrit de cette fleur ayant métabolisé la toxine. Un dérivé de phénothiazine. Le dernier ingrédient présente un risque. Ils l'ont en grande quantité dans le goulag, où il est utilisé comme insecticide. Il pourrait aussi agir comme un neuroleptique rudimentaire, puisqu'il possède des similitudes chimiques avec d'autres composés que j'ai étudiés. Mais il pourrait aussi être toxique. Je testerai le mélange sur moi, ce soir. Yeah. J'ai trouvé quelque chose. L'un des prisonniers a noté une formule qui pourrait neutraliser les effets du pollen. Ça doit être l'écriture de ma grand-mère. La sorcière l'a tuée et maintenant elle va nous aider à sauver grand-père comme dans l'une de ses histoires. Nadia... Fais-moi confiance, Lara. Rends-toi au complexe soviétique, là où on s'est rencontrés. Je t'aiderai à trouver ce qu'il faut. Mais t'es sérieux, là ? Je peux pas casser quelque chose ? Parce que... Là, je suis vraiment dans la merde. Brûle des flèches. Je sais pas, fais quelque chose. Oh la vache. Là, je reviens où du coup? On va... Je sais pas. Ah putain, mais c'est loin. Méga loin. Allez. On va essayer de bien jouer. C'est bien. Chier. Je ne retournerai pas là-bas sans l'antidote. Comment tu trouves les graines et tout ça, du coup? À droite. En fait, faut sortir pour du bon. Je
Ah oui, non, c'est vrai, il faut vraiment sortir en fait. Ok, cool. Tant mieux. Par contre, on va aller récupérer pas mal de bois d'avance. Oh là, non. Elle m'a fait peur, cette conne. Ouais, des balles, ouais. Je peux pas les créer des balles, si. Je me rappelle plus si on peut les faire. Ouais, normalement, hein. Ouais. Ça devait être un encensoir. Pour brûler de l'encens. Mais il a été transformé. Attends, mais comment tu veux que je descende? Là? T'es sérieux? Elle veut pas. Faut refaire le coup des... Oh, faut refaire les loups et tout. Ah! Mais en fait, on était bon, il fallait juste revenir sur le chemin, mais j'y arrivais pas. Enfin bref. Bon, maintenant je sais quoi faire. Lara, je reçois une transmission. Tu dois l'entendre. Overwatch, ici l'équipe Bravo. Nous venons pour l'extraction immédiate. Oh, merde. C'est quoi ce bordel? C'est... Elle marche. Comment? Putain de... T'as entendu? Ah la vache. C'était la sorcière. Il se passe quelque chose là-bas, c'est sûr. Quoi qu'il en soit, on va tirer ça au clair. J'essaye de pas mourir. J'essaye. Besoin de rentrer dans le vieux temple. Dirige-toi vers la passerelle en bas le long de la falaise. Il devrait y avoir une corde qui y mène. Ce chemin te mènera directement au vallon. Il y a du bois de partout. Ça, ce qui est chiant, c'est que tu vois du bois de partout. Mais elle veut pas en ramasser. Il faut qu'elle prenne des branches, en fait. C'est con. Sans... Ça, c'est vraiment con.
moins ce contrepoids fonctionne toujours. Oh, voilà, voilà. Tout va bien. Le gentil Ellie. Oui. Voilà. C'est mieux comme ça. Oui, c'est mieux. Non, 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 non. Accroche-le. Voilà. Ah, c'est quoi cette lame? C'est bon. Il ne reste plus qu'à ouvrir la porte. Voilà. Allez, Lara. Incroyable. C'est une formation naturelle. Ah oui, c'est une formation naturelle, je sais. C'est magnifique. Encore un codex. Il contient une série de méditations sur la volonté. Je voudrais bien récupérer du bois à la place. Mais bon, on peut pas tout avoir. Le vallon maudit n'est plus très loin. Il te suffit d'emprunter la passerelle en bois le long de la falaise. Il y a un petit campement. Oui. On dirait que grand-père est au moins arrivé jusque-là. Tu as presque atteint le vallon. Oui. Allez, go. Nadia. Nadia. Je crois avoir trouvé le vallon maudit. Je sais pas si c'est Baba Yaga, mais il y a quelque chose ici. Fais attention, c'est son territoire. Le vieillard. C'est emmerdant, faut repasser ce passage. Ah, ça va être long. Il y a une sorte de pollen dans l'air. C'est les fleurs. Tu peux répéter ? Bien entendu. Quelque chose ne va pas. J'ai la tête qui tourne. Oh non. Il est trop tard. C'est un rêve. C'est pas réel. C'est pas possible. Continuez d'avancer. Papa? Non, c'est pas possible. Pas possible. Non, attends. Non. Je suis presque là. Mais je suis où? Il va jusqu'où ce chemin? Il y a par là, espèce de petit singe. C'est pas réel. Pas lui. Jump scare. Arrête. Non, il faut que je me sorte de là. Je veux seulement partir. Je vous en prie.
Non, non, c'est pas possible. Allez. Papa, non, fais pas ça. Je t'en prie. Qui êtes-vous? Viens voir. Putain, c'est quand même abusé. C'est pas possible. C'est juste un mythe. On peut passer la cinématique ou pas? Putain de merde. Ça s'est un peu mieux passé. Oui. T'as, elle en avait de l'eau dans les poumons. Je crois. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as commencé à tousser, t'as parlé de fleurs et de pollen et plus rien. Je croyais que la sorcière t'avait tué. Je crois que j'hallucinais. En tout cas, j'espère. Des hallucinations? Mais il y a une fleur dans la vallée qui peut donner des visions. Mais elle a fait l'effet. Tu sais ce que c'est cet endroit? Je vois des conduits, des canalisations de fabrication soviétique, je pense. Ça doit être l'avant-poste que les soviétiques ont construit pour étudier les ruines. Ma grand-mère était une chercheuse, ils l'ont emmenée ici pour qu'elle les aide, mais... C'est la dernière fois que grand-père l'a vue. Il n'y a eu qu'un survivant, un officier, qui est sorti de là quelques semaines plus tard. Il a dit que la sorcière les avait obligés à faire des choses. À faire des choses... Il y avait quelqu'un ici, là. Récemment. Il y a des constructions au-dessus des ruines. Qu'est-ce que tu vois? On dirait une distillerie de fortune. C'est la même odeur que les fleurs. Merde, bien sûr. Elle distille le pollen. Elle en fait... Je n'ai jamais... Rien à voir avec la magie, Nadia. C'est simplement de l'ingéniosité. Mais attends. Si elle était humaine, le pollen devrait aussi avoir un effet sur elle, non? Si elle a trouvé un antidote, on peut aussi l'utiliser. Je dois la baisser un peu plus. Ah merde. Hey. J'ai trouvé quelque chose. L'un des prisonniers a noté une formule qui pourrait neutraliser les effets du pollen. Ça doit être l'écriture de ma grand-mère. La sorcière l'a tuée et maintenant elle va nous aider à sauver grand-père comme dans l'une de ses histoires. Nadia...
Fais-moi confiance, Lara. Rends-toi au complexe soviétique, là où on s'est rencontrés. Je t'aiderai à trouver ce qu'il te faut. Oui, je voudrais bien voyager rapidement, mais je peux pas. On peut le faire de la carte. Ça m'étonnerait quand même. Bon, c'est reparti. Cette fois, on essaye de pas glisser. Ça serait bien. C'est tellement étroit, j'ai même l'impression qu'on peut pas, en fait, revenir. Oh la vache, putain. Donne-moi du bois. C'est quoi ce bruit ? Qu'est-ce qu'on... J'ai loupé... J'ai oublié de prendre un truc peut-être. Salut, troisième jour. Bienvenue. Ah oui, c'est... Il paraît que la première... Ah. Ah, je veux bien savoir qui est la VF de Lara. Après, je suis pas super fan de l'intonation de sa voix, mais... Attends, si je vais là, je vais pas rester bloqué comme un con. Ah mais je peux pas. Ça devait être un mensonge. Ah! Ah! Yes!
Là-bas. Yes, on est bon. Oh mon dieu, oui. Ah oui, le feu. Oh. Nadia, je suis revenue au complexe. Je dois commencer par où, à ton avis? Bon, d'abord, il nous faut les graines. Les fleurs poussent dans les grottes du coin. Il n'y en a jamais assez pour te rendre malade. Tu devrais pouvoir en récolter facilement. Pour les foies, ça devrait être facile. Les cerfs se nourrissent des fleurs. Il te suffit d'en chasser. Et j'ai une idée pour trouver de l'insecticide. Grand-père m'a appris à lire le russe. Je suis en train de chercher dans les listes d'équipements. Je te tiens au courant dès que j'ai trouvé. Très bien. Je vais commencer à rassembler les autres éléments. Alice David, parfait inconnu. Ouais. Le temps de visée stabilisée augmente pour les tirs chargés. Non. Entre un chien à tête et une furtive mission plongeante. Fabriquer des bombes à partir de bonbonnes de gaz rouge et des mines de proximité universelle à partir des radios ennemies. Ouais. Est-ce qu'on se téléporte? Je pense pas qu'on ait besoin. Ah, je suis pas regardé pour faire des balles. Voilà les fleurs. Maintenant, il me faut les graines. Quel tir! Bah ça c'est fait. Ah oui, du bois. S'il te plaît. Où est-ce qu'on récupère les graines? Dans les grottes? Oh merde. Oh merde, derrière moi. Bien, 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 bien. On va peut-être se soigner, non? Ça marche en fait le corps à corps ou pas? C'était bizarre. Encore que j'avais débloqué cette habilité qui... permet de remettre la ville quand j'en perds. Toujours aucune nouvelle de l'équipe Bravo depuis l'appel de détresse. Il va falloir qu'on envoie une équipe de recherche. Terminez la reconnaissance du complexe soviétique et essayez de retrouver la trace de la fille. Elle est liée à la disparition de l'équipe Bravo. Il nous faut plus d'informations avant de vous envoyer là-dedans. Bien reçu. Tu peux te mettre à l'abri?
Je suis dans l'un des anciens J'ai installé des pièges à l'extérieur. Dans le pire des cas, je peux utiliser le tunnel souterrain pour fuir. Mais il faut encore que je finisse d'examiner la liste. C'est normal pour toi, Lara? Je suis pas habituée à ça. Des gens qui veulent me tuer. C'est pas une chose à laquelle on s'habitue. Reste sur tes gardes. Merde, elle voulait pas chercher, pourquoi? Parce qu'elle était en communication, c'est ça? Ouais. Re-saphir. Alors, bah elle est où la grotte? Et ça? Je peux pas y aller. Ah, faut la faire péter sûrement. Est-ce qu'il y a des explosifs pas loin? Ouais, j'ai récupéré 3 planches, c'est tout. Je peux créer un feu de camp. Qu'est-ce qui se passe? Le peuple de Jacob a été contraint à travailler là. On va descendre récupérer le reste des... Oh, vache. Lumière. Il y en a là ou pas? Ah non, il y en a pas. Je pense pas. Je cherche des graines. Elles sont dans les grottes normalement. Piège ? Ah non, des roues. C'est bien du russe. Ces notes semblent indiquer un emplacement proche. Mais je n'arrive pas à comprendre. Ok, go. Allié ? Votre aide serait la bienvenue. Bonjour. Les soviétiques sont partis dans la précipitation, abandonnant plein de choses dans la vallée. Faites-en bon usage. Quand il pleut, les cerfs se regroupent sous les arbres. C'est le bon moment pour chasser, si ça ne vous fait rien d'être trempé. Ok. Je suis ici pour aider. Qu'est-ce que je peux faire? On doit d'abord en apprendre le plus possible sur les envahisseurs. Toutes les informations que vous trouverez dans l'ancienne prison nous seront utiles. Je ne vais pas vous mentir. Ce sera dangereux. Mais ces informations en valent la peine. Vous voulez bien nous aider? Je m'y rendrai dès que possible. Je serai là. Et... Merci. Ah.
Merci bien, mais c'était pas vraiment ça que je cherchais. Bonjour. Bien le bonjour. Bonjour. Vous voulez boire, les mecs? Beaucoup des nôtres ont travaillé à la mine pour les soviétiques. Il y a plein de mecs en fait partout, il y a plein de NPC, c'est cool. Je pensais que ça allait être vide. Devrait avoir une grotte, ouais. Ah, compétences. Ah, les munitions, c'est vrai. Bah, je peux rien faire pour le moment. Ça, c'est d'où on vient quand on est arrivé sur la dans la map en fait. Ouais, j'ai pas tout utilisé en planche. Juste au cas où. Là, il y a plein de bois, on va récupérer. Ça, c'est bonne nouvelle, le troisième jour. A plus. Plus tard. Ah, loup. Ok. Bon, on est reparti parce que là, ça m'énerve. Attends, on va peut-être prendre un explosif. Et aller à la... Il y a un truc à lire au-dessus. Là. Et aller à la... La grotte qui était bloquée. Tu as été la première à faire briller l'étoile du progrès. À la gloire des cosmonautes. Ah. Pièce d'arc à poulie. Un explosif, ah ça voilà. Enfin, c'est peut-être pas assez. Il y avait un bidon rouge. Voilà, viens ici toi.
Normalement, je peux même en faire une bombe si besoin. À moins qu'il y en ait là des graines, mais on les a prises, je crois. Ouais. Merde. Un peu proche. Cool. Le composé chimique dans les notes de grand-mère. La phénothiazine. Je crois que j'en ai trouvé. Ils l'ont stocké dans les niveaux inférieurs de l'usine de cuivre. Ils l'utilisaient pour exterminer les termites en été. Tu es sûre que c'est le même composé, Nadia? Je suis sûre que c'est le composé dans la recette de grand-mère, mais je ne sais pas si on peut le boire sans danger. On verra bien. Je m'y rends tout de suite. Tu bois. Tu bois. Alors, du coup, maintenant, on va aller... Ah, on doit aller là. Ok. Oh la vache. Voilà. Ah ouais, c'est emmerdant le coup du bois quand même. Lara, est-ce que tout va bien? Oui, je suis au pied de la vieille usine soviétique. Je me dirige vers l'entrée de la mine, en haut de l'installation. Vous pouvez me retrouver là? J'arrive tout de suite. Ouais, enfin d'abord on va s'amuser avec Baba Yaga. On est juste là pour trouver le produit. Une autre sculpture. Mais on dirait un jeu cette fois. Ces pièces me disent quelque chose. Je suis sûre d'avoir déjà vu ça quelque part. On peut rien faire? Pas jouer avec? Oh, merde. Ok, par où on passe? Ah, le toit. Blocus. Waouh, mais c'est super grand! Waouh. Ok. Faut aller sur la gauche. Nadia a dit que le composé se trouvait dans les niveaux inférieurs. J'ai dû aller trop loin. T'as dû aller trop loin. Ah ah, trouvé. Il y a un truc à récupérer là. Non.
Bon, pas grave. Ah, c'est le nom du jeu. Je l'ai trouvé. Je vais mélanger les ingrédients. Des nouvelles de la patrouille? Je viens d'intercepter une autre transmission. Ils sont en mouvement. Ils sont où maintenant? Oh non, ils se dirigent droit sur toi. Tu pourrais peut-être les esquiver, mais il est sans doute trop tard. Désolé. Oh merde. Merde. Oh, comme je les ai esquivés. Énorme. Oups. Enfin, presque. Presque esquivé. Qu'est-ce qu'on fait? On les tue? Faut quoi? Non, en fait, on n'a pas besoin de les tuer. Hein. Enfin, on peut se casser, hein. Ça fait de l'expérience, mais aussi on utilise des flèches. Et je pourrais en perdre dans le combat. J'ai pas envie d'en recréer. Prête pour essayer l'antidote? Je ne trépigne pas d'impatience, à vrai dire. Si ça marche, j'en serai pour moi et te retrouverai dans le vallon. Je te préviendrai quand j'y serai. Bon, cette fois, on a du bois. De vodka pour se remettre. Il y a du bois encore. Ah non, on peut pas le prendre celui-là. Il est cassé, je t'ai appris. Ça a mal tourné? Ah, sûrement. De toute façon, je vois pas pourquoi ça tournerait bien. C'est pour ça que je prends une bouteille avec moi. C'est pour ça. C'est bête, on peut pas se téléporter. Parce que sinon on se téléporterait directement dans le camp de Baba Yaga. On peut pas. Salut Rick, bienvenue. Ça va ?